Salut à tous, c'est Zouz25 aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors du coup je vais vous présenter les trois nouveaux camions, donc ceux-là qui sont sortis sur le jeu, plus une nouvelle customisation. Exemple, mon camion préféré, donc le N15, c'est mon camion préféré. Alors on a trois nouvelles suspensions, deux nouvelles, excusez-moi. Alors t'as les actives, donc regarde, je vais vous montrer. Oui, ouais, parce que je suis pas encore sorti. Hop, les actives. Tu veux faire du off-road, ça se soulève, tu veux aller en route, tu baisses. Oh là, c'est simple. Là, je fais de la route. Et là, bim, changer de mode suspension. Ah, et ça soulève. Là, tu veux faire de l'off-road, ben boum, tu soulèves, toi. Voilà. Il y a ça, de nouveau, sur ce camion. Puis c'est tout. Puis, ah oui, il y a les pneus. Voilà, donc avant il avait les pneus là, donc attendez, t'avais les roues autoroute, tout terrain, voilà, hors piste. Moi je mettais tout le temps, c'était celle-là, attends, ah celle-là, je mettais tout le temps celle-là. Après maintenant c'est bien, il a les roues boue, donc ça rend sa stabilité beaucoup mieux, etc. Après il n'y a rien de nouveau sur lui, voilà. Après du coup on a le nouveau Caterpillar, celui-là, donc je vais vous montrer. Donc le scout là, il coûte 123 000. Ensuite en tout terrain, on a le KRS 58 Bandit, voilà, il coûte 125 000. Et en lourd, nous avons le gros Caterpillar qui coûte 168 800. Là en haut à droite, vous pouvez voir que j'ai 6 millions. J'ai pas cheaté, j'ai pas fait de glitch, c'est en jouant parce que je kiffe ce jeu, du coup j'ai joué énormément. Voilà, donc allez, on va custom. Donc, ah bah il a qu'un moteur celui-là. On va mettre spécial avancé en boîte, tac, suspension. Bah, il a rabaissé. Pas changer de pneu entre eux, on va mettre autonome, voilà. Et ah, tu peux mettre la petite fourche ou la grande fourche, du coup je vais mettre la grande fourche. Ensuite en jante, ouais, ok. En accessoire, du coup à l'intérieur on a plein de trucs, ok. Les grandes box, ah ça je l'ai pas encore fait, ça j'ai pas encore fini les filles. Je vais mettre un petit sapin. Voilà, ensuite là, j'aime bien celui-là. Stickers, on va mettre celui-là. Voilà, on va l'essayer. Moi j'ai déjà essayé, hein. J'ai déjà tout essayé les véhicules. C'est pour ça que je connais. Par contre, celui-là, tu peux pas acheter de remorque. Voilà. Après, pour marcher le bras, c'est simple. Hein. Hop, utiliser. Là, tu peux lever, baisser. Voilà, comme ça, tu vois, et après tu peux l'incliner comme ça, voilà. Ensuite nous avons le monstre, voilà, je vais l'appeler le monstre lui. Alors j'ai le meilleur moteur, donc je les ai déjà tous testés en avance, je les ai déjà tous déjà custom, mais là je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite vidéo, du coup j'ai tout vendu, les trois véhicules là, puis je les ai rachés. Donc là, le gros Caterpillar pour transporter la grosse remorque, par défaut. Alors soit tu mets la grosse citerne lourde ou soit l'attelage de sel lourd. Donc ça c'est pour la remorque à gravat. Pour l'instant je vais mettre la remorque à carburant lourd. Ensuite là les pneus, ok. Alors voilà, je vais mettre quoi? Je vais mettre la danseuse, allez. Hop. Accessoire. Je vais mettre ça. Le sapin. Celui-là autocollant. Je vais mettre celui-là, tiens. Voilà. Et devant, je vais mettre. Putain, il y en a tellement. Moi, je vais mettre celui-là, allez. Et après aussi, je vais vous montrer les nouveaux véhicules qui ont des nouveaux motifs de Season Pass. Donc là, le KRS Bandit. Ah, je vous ai pas. On n'a pas essayé le Cater. Voilà. Il a 530 litres. Il a combien dans sa citerne? Non. Citerne. Il a 2000 litres, ok. Ça, ça va bien, ça. Voilà. Donc, du coup, on va custom celui-là. Alors, en moteur, je vais mettre le LAS D540. Ouais, comme ça.
Tac, boîte de vitesse. Boîte de vitesse, comme d'hab. Il y en a plein qui jouent tout terrain, mais moi j'arrive pas à tout terrain. Moi je préfère boîte de vitesse, vu que j'aime bien aller vite. Donc en pneu, il a les pneus boost celui-là. Il a 8 pneus boost. Voilà. T'as la dégaine du bordel. Ensuite, entre eux, je vais mettre moyen avancé, comme d'hab. Schnorkel. Voilà. Module, je vais mettre le plateau. Après, c'est bien, il a une petite grue. C'est bien, il a une petite grue, donc voilà. Ensuite, là en haut, je vais mettre ça. La pare-choc, je vais mettre celui-là. Normalement, il y a un truc en haut, normalement, lui. Normalement, il a une réserve. Elle est où sa réserve? Hop là, en couleur. On va mettre que. C'est dégueulasse, comme ça. Mais comme ça, c'est pas trop mal non plus. Comme ça. Comme ça, je vais mettre intérieur. Vas-y, le petit chien, ça va bien. Accessoire, je vais mettre l'as de pique. Je vais mettre l'autocollant là. Et stickers. Celui-là. Voilà. Attendez, je cherche. Normalement, il a une galerie de toit. Je sais qu'il y a une galerie de toit, mais je ne le trouve pas. Il y a une petite galerie de toit. Comment on la met? Ah, c'était dans. Ah, c'est peut-être là-dedans, ouais, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Ah, mal de réparation, vous voyez, il y a une petite galerie de toit. Allez, go. On va essayer. Tu vois, j'ai déjà essayé. Franchement, il est pas trop mal, tu vois. En plus, vous avez une petite galerie de toit avec quelques litres en haut. Ouais, il y a. En mal, il y a. Enfin, en, je veux dire, en. Il y a 140 litres, donc ça va. Hein. Et en réparation, il y a. 150, ça va. Alors son défaut celui-là, c'est qu'il tombe pas. Et qu'il est un peu léger du cul. Regarde, tu piles et il lève limite. Ouais. Voilà. Hop. Là, nickel. Et je vous présentais les deux nouveaux motifs, véhicules à motifs. Donc l'international Loistar que je kiffe, que je joue tout le temps pour découvrir les maps, genre. Genre je mets tout le temps le module de service, c'est pour faire la reconnaissance des maps, etc. Donc attendez, on va mettre ça. On va mettre vite fait ça, tac, tic, tac, tac. Voilà. On va mettre ça, autocollant. On va mettre ça. Et là, les décorations de capot. Ah, pas mal, ça je savais pas, tu vois. Je vais mettre ça. Alors du coup, le motif, c'est celui-là. Mais je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès, c'est qu'en fait t'as le motif, mais sur la remorque il y est pas. T'es obligé de changer de module de châssis en fait. Si tu veux le motif en entier, t'es obligé de mettre ça. Voilà, ce module là. T'es obligé de mettre comme ça. Parce que moi, regardez ce camion, moi je l'utilise pour ça. Parce que là, regardez, je suis dans la nouvelle map, j'ai pas encore commencé, j'ai déjà joué mais avec des potes. Donc là regardez, moi j'utilise tout le temps pour faire ça, je suis avec le Dan, avec la grosse cuve, avec la grosse citerne, et je découvre avec ça. Donc avec le Dan je tire ce petit camion, et je découvre avec ça, la map. Ça c'est pratique, ça tu peux faire tous les moindres recoins, c'est grave bien. Je découvre tout comme ça mes maps et après je fais les tours de guet. Regardez, ça fait quand même un grand rond hein, pour découvrir, c'est pas mal. Donc voilà, on va pas s'attarder sur ce véhicule. Donc après, d'après ce que j'ai vu, il y a un autre scout, c'est le. Attendez, faut que je le trouve. C'est. Celui-là, le scout 800. Il a un nouveau motif. Ah ouais, pas mal, MDR.
Il est stylé comme ça parce que moi j'arrivais pas à lui trouver une belle couleur parce que y a pas trop de belles couleurs comme ça passe. Ça passe, ok. Bon ben, allez, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Allez, bye bye.